Shalom Alechem, nous allons avoir le plaisir ensemble aujourd'hui, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Yud Gimel du traité Nazir. Donc nous sommes à la page Yud Bet, au verso de la page, 5 lignes avant la fin. On va donc commencer une nouvelle Mishnah. On nous dit là-bas, Arini Nazir, le Kesheye, l'Iben, la personne nous dit, je prends sur moi d'être Nazir quand j'aurai un Ben. Un Ben, ça veut dire un garçon en hébreu. Alors on lui dira bien sûr, tu sais, Nolad Loben, si jamais il a eu un garçon, alors il faudra qu'il soit Nazir, Arez Nazir. Attention, si jamais il a eu une fille, ou bien un Tumtum, Androgynos, Nolad Lobat, Tumtum, Vendroginos. Un tumtum, c'est un enfant, mais on ne sait pas s'il est garçon ou s'il est fille. Un androgynos, c'est un autre être, celui-là. Par contre, il a donc des simanimes comme un garçon et des simanimes comme une fille. On est très embêté, mais en tout cas, ce n'est pas un garçon. On lui dira, tu sais, tu n'es pas nazir et non nazir. Parfait. Il m'a marqué chez Yeli Vlad, si jamais il a dit, pas quand j'aurai un garçon, je serai nazir. Quand j'aurai un Vlad, un enfant, un né, un enfant qui sera né. Alors, qu'est-ce que l'on dira dans ce cas-là? Afilou, Nolat Lobat, même si jamais il a eu une fille, ou bien il a eu un Tumtum ou un Androgynos, Arezé Nazir, cette personne-là est Nazir, quoi qu'il arrive. Parfait. Là, l'enfant est en bonne santé, il est bien né. Quel serait le dîne cette fois, si jamais Epila Ishto? Donc, madame a eu un accouchement, mais l'enfant, quand il est sorti, il est mort. On va dire, c'est une fausse couche, mais Béhémet, il y a eu un vrai accouchement. Mais finalement, l'enfant, il est mort à ce moment-là. Deux possibilités. Si jamais l'enfant n'avait pas fait tous ces mois dans le ventre de la maman, on le considère comme mort-né. Ce n'est pas une naissance du tout. Mais si jamais donc l'enfant avait fait tous les mois dans le ventre de sa maman, comme ça en tout cas c'était à l'époque dans la Gemara et dans les Mishnayot, alors l'enfant il était en bonne santé. Simplement, il y a eu un Yiroua, il s'est passé quelque chose et l'enfant est mort, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est une naissance complètement. Alors là, je suis en safek. Si jamais je dis que c'est une naissance, alors le papa il est nazir parce que l'enfant est né. Si je dis que ce n'était pas une naissance, finalement c'était un mort-né qui n'avait pas fait tous ses mois dans le ventre de maman, alors il n'y a rien qui est né, tu n'es pas nazir. C'est un safek. On va en parler tout de suite. Qu'est-ce que l'on va faire? On connaît la marloquette, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, on en reparlera. Et puis là, Ishto, et non nazir, il n'est pas nazir. Le premier est un atien que quand on a un safek, on n'est pas nazir. Rabbi Shimon, lui, n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Shimon Omer? Yomar, tu sais ce que tu diras, voici la situation, parce que finalement tu as un safek, eh bien on doit être mahmir, tu diras une telle chose. Imaya ben Kayama, si jamais l'enfant, il était en bonne santé quand il est né, pitom, il a eu quelque chose et il est mort. Alors voici que la naziroute que je vais faire maintenant, c'est une naziroute obligatoire. Ariani nazir, Rova. Veimlav, et si jamais donc l'enfant finalement il était mort-né, il n'a pas fait le nombre de mois suffisant dans le ventre de maman, alors il n'y a pas eu d'accouchement du tout. Voici que je prends maintenant sur moi une nouvelle Nézirut, Nedava en tant que don. Veimlav, Areani, Nazir, Nedava. Parfait. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant si madame, quelques mois après, Mazal Tov, elle a eu un enfant qui était en bonne santé? Chazra, Veyalda, Harezé Nazir. Alors qu'est-ce que l'on dira? Tu es Nazir. Selon le premier Tana, bien sûr, tu es Nazir, puisqu'à l'époque, tu ne l'étais pas. Maintenant, c'est donc la Nézirut que tu t'étais engagé de faire à l'époque quand tu avais parlé. Parfait. Rabbi Shimon, lui, n'est pas d'accord. On continue avec les conditions, dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, Yomar, voici ce que tu diras. Imarishon ben Kayama, Arishon Chova. Si jamais donc le premier accouchement que j'avais eu, Behemet, donc c'était un enfant qui était en bonne santé, et qui allait bien. Alors voici que la Nézirut que j'ai fait à l'époque, c'était une vraie Nézirut que j'étais obligé de faire. Nézirut Rova. Et donc maintenant, je vais m'engager de faire une Nézirut qui est un don finalement. Voici ce qu'il va dire. Arezé Nazir, Rabbi Shimon Omer, Yomar. Voici ce qu'il dira. Imarishon ben Kayama, Arishon Rova, Vezunedava. Et maintenant, je prends sur moi une nouvelle Nézirut après la deuxième naissance qui est un don finalement. Veimlav. Et si jamais donc la première naissance, alors Behemet, c'était pas une bonne naissance. Alors voici que la Nézirut que j'ai fait à l'époque, elle était en plus, c'était un don. Arishon Nedava, et maintenant par contre je suis obligé d'être nazir. Pourquoi? J'ai dit je serai nazir quand j'aurai un enfant, et donc le seul enfant qui était en bonne santé, qui tenait bien, c'était l'enfant, c'est l'enfant qui vient de naître maintenant. Voici que ma nazirut de maintenant, c'est oui une chova, une obligation. C'est ce que l'on dit ici. Veimlav Arishon Nedava, Vezu Chova. Point. Voici la machloquette entre Rabbi Shimon et donc l'autre Tana. La Gemara va analyser toutes les paroles de la Mishnah. Tout d'abord, Haïmaï les Memra. On a dit quand j'aurai un garçon, je serai nazir. Finalement, il a eu un garçon, il est nazir. Merci beaucoup. Cette chose-là, Haïmaï les Memra, qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Je ne comprends pas. La Gemara nous répond, elle nous dit, tu sais, Mishum Seva, j'en ai besoin par rapport à la suite. Qu'est-ce qu'on me dit? Tu sais, quand tu as une fille, Androgynos ou Tumtum, alors tu n'es pas nazir. Bat Tumtum, Androgynos et non nazir. C'est tout à fait évident également, nous dit la Gemara, Pshita. La Gemara nous dit non. J'aurais pu croire autre chose. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais dit?
Nekeshé Evne, tu sais, quand on dit Ben, alors c'est vrai qu'en français ça veut dire garçon, mais Ben en hébreu c'est aussi du Lachon Binyan, construction. C'est-à-dire quand je me construirai quelque part, quand j'aurai un enfant, et donc ça sera une construction, c'est ça. Alors Behemet, même si c'est une fille, même si c'est un tumtum ou un androgynos, peut-être que je devrais être nazir. Maoud et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Quand je dis Ben, ça veut dire Nekeshé Evne, quand je me construirai, ou Dekeama. Comme Ashmanan, on nous apprend que non, Delo, que quand t'as un garçon, ou sinon tu n'es pas nazir. Parfait. On est aux deux points et on va rapporter l'autre partie de la Mishnah qu'on va également analyser. Veimamar, Nekeshé Vlad, si jamais la personne a dit, quand j'aurai un Vlad, un enfant à savoir, peu importe, garçon ou fille, l'agma nous dit, mais attends, c'est évident, pshita. Non, Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu croire? Vlad, des Mirchav, Beneinche. Quand on parle d'un Vlad, une naissance, c'est donc une naissance qui est importante aux yeux des gens. Des Mirchav, Beneinche, Bainan, ça on a besoin. Et dans ce cas-là, tu es nazir. Ou sinon, Behemet, tu n'es pas nazir. On nous apprend que non, un Vlad, c'est une naissance, peu importe. Kamashmanan, garçon, fille, tumtum, androgynos, quoi qu'il arrive, tu es nazir. Parfait. Les deux points encore, on rapporte une autre partie de la Mishnah. Qu'est-ce qui a été enseigné? Et puis la Ishto et non nazir. Si jamais donc madame a eu une naissance et finalement l'enfant, il était mort-né, il ne tenait pas. Qu'est-ce que l'on dira selon le premier Tana? Tu n'es pas nazir. Pourquoi? Puisqu'on a un safek finalement. Alors on te dit dans les safek, Behemet, on te dit que t'es pas nazir. Man Ketanela, qui c'est qui enseigne une telle chose? C'est l'opinion de Rabbi Houda qu'on connaît. Rabbi Houda, des Kerihu. C'est quoi le Keri? Le Keri, c'est un tas. Si jamais j'ai dit, voici que je prends sur moi d'être nazir, si jamais il y a dans le tas qui est en face de moi, ou bien qui est à la maison, telle mesure, parfait. J'arrive à la maison par exemple, je vois que le tas a été volé, ou bien donc il a été perdu par exemple, alors qu'est-ce que l'on fait? Je suis bloqué. Viens dire Rabbi Houda, tu n'as pas pris sur toi d'être nazir. Tout ce que tu as pris sur toi d'être nazir, quand tu auras quelque chose de fixe, de sûr, quand tu sauras clairement que tu es nazir, mais en tant que safek, tu n'es pas nazir. Ici aussi c'est pareil, puisque j'ai un safek, si jamais l'enfant il est bien né ou pas, on dira que tu n'es pas nazir. Safek nazirut, laquelle on dira que la personne n'a jamais pris sur elle d'être nazir, au cas où il y aura un safek, que si jamais la chose est claire. Comme ça donc, nous venons rapporter. Comme ça la Gemara vient nous dire. Man ketanela, qui c'est qui enseigne ça? Rabbi Houda de Kerihu. Point. Un cri, c'est un tas. En tout cas, nous, on continue. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il est marmir dans la Nézirut, quand on est en safek, c'est la raison pour laquelle tu vas faire une condition, finalement. Yomar, voici ce que tu diras. Imaya ben Kayama, Harini Nazir. Si jamais le premier, il était en bonne santé, ben Kayama, apte à vivre, alors donc, je suis maintenant Nazir Chova, obligation. Et sinon, c'est une Nézirut qui est un don, finalement. Je prends sur moi une Nézirut en tant que Nedava. Veim lav, Harini Nazir, Nedava. On est aux deux points, on a rapporté la partie de la Mishnah. La Gemara maintenant va se demander une nouvelle question. Baemine, Rabbi Abba, Miravuna, il a demandé Rabbi Abba à un autre grand amoureux qui s'appelle Ravuna. Voici le cas, on va l'expliquer par la suite. Harini Nazir, Lekeshe Eli Ben, je prends sur moi d'être nazir quand j'aurai un garçon. Voici ses paroles. Ve et Pila Ishto. Par la suite, sa femme, malheureusement, elle a accouché, mais l'enfant était mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc été mafriche. Il a prélevé une bête en tant qu'offrande pour le Bet Amigdash. C'est les offrandes qu'on apporte quand on est nazir. Ve Ifrich Korban, spécial. Ve Chazra, Ve Yalda. Et tout de suite, après, on croyait en fait qu'il y avait un seul enfant dans le ventre de madame, mais finalement, c'était des jumeaux. Tout de suite, il y a eu un autre enfant qui est né. Maou, quel serait le din? Alors donc, on va se poser une question telle. Finalement, je devrais dire ici, comme quoi il y a eu au départ un accouchement d'un enfant qui tenait pas, on pense pour l'instant que le monsieur ne doit pas être nazir, quand même il dit je prélève une bête en tant qu'offrande de Nézirut, c'est-à-dire que je ferai une Nézirut et j'apporterai une bête en tant qu'offrande. Et par la suite, madame vient justement à accoucher un autre enfant, un jumeau qui lui tient bien, qui lui est en bonne santé. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais penser peut-être que comme quoi, finalement, le deuxième enfant vient montrer, vient nous prouver que le premier aussi également était en bonne santé, c'était une bonne naissance. Pitom, il est tombé malade, il est mort, c'est vrai, mais en tout cas, c'était une bonne naissance. Et donc, qu'est-ce que ça me ferait dire si jamais je pense comme ça? Ça me ferait dire comme quoi, Behemet, la personne devait être nazir. Et quand il a été mafriche, il a prélevé la bête en tant que korban, c'est donc une bonne afracha, un bon prélèvement, parce que Behemet, il était khayav d'être nazir. Ou bien, peut-être que non, c'est vrai que le deuxième, il était en bonne santé, mais ça ne prouve rien par rapport au premier, à la première naissance. Et donc, finalement, la personne ne devait pas être nazir. Et est-ce qu'il a été mafriche, est-ce qu'il a prélevé cette bête-là? Finalement, ce n'était pas une vraie bête qui était sainte à l'époque parce qu'il n'était pas du tout nazir. Donc finalement, cette bête-là n'a aucune sainteté. Par la suite, c'est vrai, il sera nazir, mais Behemet, en attendant, la bête n'était pas du tout sainte. C'est la question que l'on va se poser tout de suite. On va le relire en tout cas. Baemine Rabbi Abba Miravuna, Harini Nazir, Lekeshe Eliben, je prends sur moi d'être nazir quand j'aurai un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Veipila Ishto, madame a eu un accouchement et l'enfant était mort. Veifrish Korban, entre-temps, il a prélevé une offrande. Et tout de suite, juste après, Vechazra, Veyalda, tout de suite, elle est revenue et donc elle a accouché quelques minutes d'un autre enfant juste après. Maou, quel serait le dîne? Nous dit la Gemara Aliba Deman, selon qui on se pose une question. Yaliba de Rabbi Shimon, Maïti Vrené.
si la question elle est selon l'opinion de Rabbi Shimon, mais quelle est la question? Je ne comprends pas du tout. Pourquoi? Ah, ma Rabbi Shimon, ça fait que Nézirut l'Achmir. Voici que Rabbi Shimon tient, comme quoi lorsqu'on est en Safek de Nézirut, alors on est Mahmir Bémet. Donc c'est sûr, quoi qu'il arrive, même si par la suite elle n'avait pas encore une fois accouché, de toute manière, j'aurais dit que la personne doit être Nazir, et donc forcément la bête qu'il a prélevée, c'est une bête qui est sainte, elle est sanctifiée en tant que Corban, pour plus tard être apportée, donc Bémet, pour la Nézirut. Donc c'est sûr que la bête est sainte, c'est tout à fait évident. Forcément, la question, elle est selon Rabbi Yehuda. Veila Aliba de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il pense, lui, des Amars avec Nézirut? Laquelle? Quand on est en Safek, on est Mekin, il tient. Alors, justement, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être, finalement, je vais dire, tu sais, le deuxième accouchement va nous prouver comme quoi le premier accouchement également, l'enfant, il était en bonne santé. Donc, finalement, tu devais, oui, être Nazir, Bémet. Et puisque tu devais, oui, être Nazir, la bête que tu as prélevée également était sainte. Ou bien, peut-être que non. Deuxième accouchement, il est en bonne santé. Mais le premier qui nous dit, finalement, tu ne devais pas être Nazir. Et donc, la bête que tu as prélevée également, alors cette bête-là, elle n'est pas sainte du tout. C'est ce que va nous dire la Gemara. Maï, Kadosh, Olo Kadosh. Est-ce que la bête, elle est sainte ou elle est pas sainte? Nous dit la Gemara, Maï Nafkamina, qu'est-ce que ça va nous changer? À savoir, de toute manière, plus tard, il devrait être Nazir après la naissance du deuxième enfant, quoi qu'il arrive, c'est vrai. Et donc, cette bête-là, il l'utilisera en tant que Corban pour plus tard, parce que Bémet, il devra, oui, être Nazir. Donc, de toute manière, ça va rien nous changer. Nous dit la Gemara, Legisato, Vela Avodbo, au sujet de couper, justement, la Giza, de couper la laine de cette bête-là, et également la Avoda, de la faire travailler entre temps. Est-ce que si jamais, par exemple, il l'a fait travailler entre temps, Bémet, entre le premier accouchement et le deuxième accouchement, est-ce que c'était bon ou pas? Et puis également, est-ce qu'il aurait le droit maintenant de faire travailler la bête avant de la ressanctifier? Si jamais je dis comme quoi la bête n'était pas sainte, alors il peut l'utiliser maintenant, sans aucun problème. Plus tard, il la ressanctifiera. Mais Bémet, elle n'était pas sainte à l'époque. Si je dis qu'elle était oui sainte, alors quoi qu'il arrive, Bémet, dès maintenant, il n'aura pas le droit ni de couper les poils de la bête, les laines, ni également de l'utiliser pour une avoda. Cette bête-là est sainte pour le Beth Amikdash. Tu sais quoi? Taiko, c'est quoi Taiko? Tavo Eliaou, il viendra Eliaou, et Yetaretz, il répondra, c'est le Yud de Taiko, donc Kushiot, toutes nos questions, il viendra répondre, Kouf, Vav, parfait. En tout cas, nous, on continue la Gemara, Bezrat Hashem, chez Yavo Eliaou, Veyetaretz, Kola Kushiot. Nous sommes 7 lignes avant la fin, et la Gemara va nous poser encore une autre question. Baemine Ben Rihumi, c'est un Amora qui s'appelle Ben Rihumi, il a demandé à un grand Amora qui s'appelle Abaye, on le connaît tous, Harini Nazir, Lekeshiyeli Ben, quelqu'un qui dit, je suis Nazir, quand j'aurai un Ben, un garçon. Parfait, son ami, on va l'appeler Réhouven, il l'a entendu, et voici sa réaction, Veshamar Havero, Veamar, il a dit quoi? Il a dit Ve'alai, et sur moi. Comment on va comprendre ces paroles? Quand toi, Réhouven, tu dis je serai Nazir quand j'aurai un garçon, et moi, Shimon, je t'entends et je dis et sur moi. Quand je dis et sur moi, c'est-à-dire donc, et je prends sur moi aussi d'être Nazir si toi, Réhouven, tu es un garçon, ou bien peut-être que non, et je prends sur moi d'être Nazir finalement, si moi-même j'ai un garçon, c'est ce qu'on se demande tout de suite. Maou, Adibouré Mashma, est-ce que finalement, quand je dis sur moi, ça se rapporte à ta parole? Toi, tu as parlé d'un enfant pour toi, et moi je viens renforcer, je viens dire je serai Nazir aussi également, si jamais tu as un enfant pour toi, je me rapporte à ta parole, ou bien peut-être que non. Oh, Agoufé Mashma, ça se rapporte sur mon gouffre, sur moi-même, quand je dis et sur moi, c'est-à-dire sur moi-même, également je prendrai d'être Nazir si moi-même j'ai un gouffre, si j'ai un enfant, comme ça on rapporte. On a une question, la Gemara ne va pas répondre. Elle va essayer de nous donner une autre question. Imtim Tselomar, si jamais tu veux me dire que dans ce cas-là, Agoufé Mashma, quand je dis sur moi, ça veut dire donc sur moi-même, je me rapporte à moi-même, à la naissance pour moi d'un garçon aussi également, à ce moment-là, je serai Nazir. Imtim Tselomar, Agoufé Mashma, alors là, nous allons avoir une autre question. Amar, Reni Nazir, Lekeshi Yeli Ben, si jamais donc Réhouven, mon ami a dit je serai Nazir lorsque j'aurai un enfant, et donc Veshama Ravero, son ami l'a entendu, et voici la réaction Véhamar, il n'a pas dit sur moi, cette fois il a dit et moi, Véhamar, Véhani. Alors là, tu sais, quand je vais dire Véani et moi, tout simplement, et moi, donc, c'est-à-dire je ferai comme toi sur tes paroles, tout simplement. J'ai pas dit je prends sur moi, j'ai pas dit sur moi, j'ai pas donc fait comprendre comme quoi c'est par rapport à la naissance que va avoir ma famille, on va dire. Ici, j'ai dit moi, Véani et moi, tout simplement. Alors, Maou, peut-être que dans ce cas-là, je vais dire Anafché Kéamar, finalement, donc, je me rapporte sur moi-même, ou bien peut-être que non, Odilma, Arikéamna, ou bien peut-être, donc, tout simplement, ça veut dire Rachimna, Lecha Kovater, tu sais, moi aussi, je suis Merachem, je vais être miséricordieux entre guillemets envers toi de la même manière que toi tu es miséricordieux envers toi-même. Ça veut dire qu'en fait tu as envie toi d'un enfant, alors moi je vais être comme toi, je vais essayer de pousser là-haut dans le ciel à ce que toi tu puisses avoir un enfant. C'est la question qu'on va se poser. En tout cas, on a deux questions et la Gemara va continuer. Imtim Tselomar, si tu veux me dire peut-être que à chaque fois que lorsque j'ai mon ami qui est devant moi, alors Béhémet, j'ose jamais parler de moi, de mes enfants, puisque lui parle de ses enfants, alors toujours je ne peux pas passer et
écouté une telle parole sans dire que je serais aussi également nazir pour que toi, mon ami, tu aies un enfant. C'est toujours comme ça. Intim Selomar, Kol Beanpe, à chaque fois où je suis devant la personne, qu'est-ce qu'il fallait, Milta, la personne a honte de ne pas être lui aussi nazir pour que son ami ait un enfant. Toujours, ça serait comme ça. Quel serait le din, par contre, dans un cas où ma réaction, je la fais et que lui, mon ami, n'est plus là, à savoir, Amar, Areni Nazir, Lekeshiye, Leploni, Ben, ou bien, par exemple, quelqu'un qui dit, je serai nazir si jamais, donc, on va l'appeler Lévi, qui est très loin, si jamais Lévi a un garçon, on sait que Lévi, il attend un enfant depuis longtemps, je serai nazir si jamais Lévi aura un garçon, voici ce qu'il a dit, Areni Nazir, Lekeshiye, Leploni, Ben, Ploni, ça veut dire un tel. Et donc, finalement, Lévi, il n'est pas devant moi, donc, en fait, je n'ai aucune honte. Alors, là, j'ai réagi, Veshamar Havero, son ami a entendu, et donc, il a dit, Veamar, Veani, il a dit, et moi, alors là, puisqu'il n'y a pas de honte, peut-être que dans ce cas-là, Béhémet, on voudrait dire que finalement, il se rapporte à lui-même, il a voulu parler à lui-même, moi aussi je serai nazir si moi-même j'ai un enfant, Maou, Miamrinan, est-ce que l'on dira, Shelo Befanav, Anafshe, Kehama, puisque je ne suis pas devant Lévi, alors donc j'ai aucune honte, j'ai parlé sur moi-même, ou bien peut-être que non, Odilma, Achi Kehamar Le, tout simplement, voici ce qu'il lui a dit, Rachim Nale, Kuvater, Béhémet, moi aussi, je suis Merachem envers ce cher Lévi-là qui n'a pas d'enfant, comme toi, mon ami, Kuvater. Et donc finalement, moi aussi je prends sur moi d'être nazir si lui, Lévi, a un enfant. C'est des bonnes questions et nous dit la Gemara, Tivrei, reste en question, pour l'instant on n'a pas de réponse. En tout cas, ce qu'on peut faire nous, c'est continuer la prochaine Mishnah. Il nous a été enseigné, Harini Nazir, Ve Nazir, Kesheyeli, Ben, quelqu'un qui dit je suis nazir et donc je serai nazir quand j'aurai un garçon. Voici ses paroles, je suis nazir et je serai nazir quand j'aurai un garçon. On parle de deux Nazirut. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc tout d'abord, il a parlé de sa première Nézirut qui n'a rien à voir avec la naissance. Et puis aussi par la suite, donc, on a une autre Nézirut qui est elle Kshura, qui est elle liée au fait qu'il y ait un garçon. Alors donc, nous dit la Mishnah, Itril Moneet Shelo, il a commencé sa Nézirut à lui, alors il compte sa Nézirut, Ve'acharkar Noladlo Ben. Au milieu de son décompte, finalement, Acharkar par la suite, il a eu un garçon. Qu'est-ce qu'il fait? Alors on lui dit, tu sais, tu termines ta première Nézirut, Mashlim Et Shelo. Et après, quand tu auras terminé ta première, tu couperas tes cheveux, bien sûr, tu apporteras des offrandes, des korbanot, et là tu commenceras l'autre Nézirut. En effet, donc dans tes paroles, tu as montré l'ordre. Tout d'abord, ma Nézirut qui n'a rien à voir avec justement la naissance de l'enfant, et dans deuxième temps, une autre Nézirut qui est elle, Kshura, liée à la naissance de l'enfant. C'est ce qu'on dit tout de suite. Itril, Moné, Et Shelo. Et par la suite, Verharkar, Nolan Loben, il a eu un enfant. Alors on lui dit, Mashlim, Et Shelo, tu termines ta première Nézirut. Et après, uniquement, Verharkar, Moné, Et Shelbeno, tu compteras la Nézirut par rapport à ton fils. Parfait. Lorsque la personne, cette fois, a dit d'autres paroles, donc à savoir, Areni Nazir, Kesheyeli Ben, tout d'abord, je serai Nazir. Quand j'aurai un garçon, voici ses paroles, et Vénazir, et je serai Nazir également. Donc, qu'est-ce qui passe d'abord? Apparemment, c'est la Nézirut qui est liée à la naissance de l'enfant. Et puis, l'autre Nézirut, apparemment, elle vient après. C'est la Nézirut, elle, qui n'est pas liée à l'enfant, finalement. Il a dit, je suis Nazir, Stam, on relit ça dans les mots. Arni Nazir, Lekeshi Eli Ben, Vénazir. Alors donc, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Pour l'instant, il n'y a toujours pas d'enfant. Il a dit, bon, je vais commencer l'autre Nézirut, qui n'a rien à voir avec les enfants. Itril, Moné, Etchelo. Il commence donc à compter sa Nézirut. Car au milieu du décompte, qu'est-ce qui s'est passé? Nolad Loben, il y a eu un enfant qui est né au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on lui dira dans ce cas-là? Maniar et Shelo. Finalement, donc, tu laisses Maniar et Shelo, le premier décompte que tu as commencé à faire finalement, Vemone et Shelbeno, et tu commences à faire maintenant un nouveau décompte par rapport à la naissance de ton fils. Une nouvelle Nézirut, tu coupes la première, parce qu'en fait, c'est laquelle qui devait passer en premier, c'était celle de ton fils. Alors donc, tu coupes celle que tu as fait pour toi, pour mettre tout de suite celle de ton fils, et par la suite uniquement, tu compteras justement la tienne. C'est ce qu'on dit tout de suite ici, nous dit la Gemara. Itril Monet Shelo, quand il a commencé à faire sa Nézirut, à la compter, et au milieu, donc, il y a un enfant qui est né, vers Rakar Nolad Loben. Manier et Shelo, il délaisse la Nézirut qu'il avait commencé, Vemone et Shelbeno, et il comptera donc la Nézirut de son fils. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Vers Rakar Mashlim et Beno. Après, donc, justement, il sera Mashlim, il terminera celle qu'il avait fait pour lui-même. Par exemple, il avait fait 15 jours pour lui. Oh, Pitom, son enfant, il y a eu un enfant qui est né. Très bien, alors maintenant je fais 30 jours pour mon enfant. Une fois que j'aurai terminé les 30 jours, je ne me couperai pas les cheveux, bien sûr. Et donc je compterai encore une fois 15 jours pour terminer la Nézirut que j'avais fait à l'époque. 15 plus 15, ça nous fait 30. Parfait. Voici le deux cas de la Mishnah. Et maintenant on peut continuer dans la Gemara. Nous sommes précisément 6 lignes avant la fin. Bahé Rava, il s'est demandé à un Amora qui s'appelle Rava, quel serait le dit d'Amar Areni Nazir, Léachar Esrimium. Quelqu'un qui a dit, je serai Nazir dans 20 jours, après 20 jours. Ou Meharchav, et à partir de maintenant,
je suis Nazir pour 100 jours. Omer Shav Me'ayom. On sait qu'une Nazirut, quand on ne précise pas des temps, c'est 30 jours, bien sûr. Et donc la personne a dit, dans 20 jours, je serai Nazir. Combien de temps? 30 jours, bien sûr. Et également, dès maintenant, je prends sur moi d'être Nazir 100 jours. Quel est le dîn? Finalement, c'est impossible une telle chose. Pourquoi? Parce que la personne sait très bien comme quoi il n'aura pas le temps finalement de terminer la Nazirut de 100 jours qu'il commence maintenant, que tout de suite devra arriver l'autre Nazirut. En effet, dans 20 jours, il devra commencer une autre Nazirut. Alors finalement, ces deux paroles sont très contradictoires. Comment on va comprendre une telle chose? Qu'est-ce qu'il doit faire cette personne-là? La Gemara va se demander, Mahou, quel serait le dîne dans ce cas-là? Plusieurs possibilités. Kivan, Dehalin Mea, Be'esrin Noshamin, puisque peut-être vas-tu me dire, Dehalin Mea, ces 100 jours-là que j'ai pris sur moi, je sais très bien comme quoi ils ne seront pas terminés pendant les 20 jours, Be'esrin Loshalmin. Alors finalement, j'ai très bien compris, je savais très bien qu'on allait arriver dans une telle situation. Finalement, c'est comme si en fait j'avais pris sur moi de faire 100 jours de Nézirut, une fois que j'aurais terminé l'autre Nézirut, que je ferai bien sûr dans 20 jours, qui durera 30 jours, paf, après j'apporte mes corbanotes, je coupe mes cheveux, et donc je commence à ce moment-là une nouvelle Nézirut de 100 jours. Et finalement, pendant les 20 premiers jours, j'aurai le droit de boire du vin, sans aucun problème, comme ça on nous rapporte. L'Ochailin, ça ne se pose pas du tout, la Nézirut ne commence pas tout de suite. Bien que finalement, je n'avais pas dit que ça commencerait plus tard, c'est vrai. Mais par rapport à la situation, au contexte, tout le monde a compris comme quoi, dans 20 jours, je serai Nazir 30 jours, et après, à ce moment-là, je commencerai une nouvelle Nazirut 200 jours cette fois. Ou bien, peut-être que non, dit la Gemara Odilma, qui van des Hitlé Gidul Sehar, puisque finalement, les cheveux vont bien pousser, à savoir que je peux très bien commencer une Nazirut de 20 jours, finalement être coupé par une Nazirut de 30 jours, me couper les cheveux à ce moment-là, parce que j'ai terminé celle de 30, et compléter justement par 80 jours, j'en ai fait 20, 30, et après je complète avec 80. À la fin des 80, je me coupe les cheveux. Tu sais, 80 jours, c'est suffisant pour considérer qu'il y a ce qu'on appelle un guidoul séar, des cheveux qui poussent, c'est suffisant. Les bassof, et donc on dira, Khailin Behemet, ces 20 premiers jours-là que j'ai fait, je me devais tout d'abord d'être Nazir, et Behemet, ça s'est oui posé. C'est-à-dire que par la suite, je ne serai obligé de compléter que 80 jours et non pas 100 jours. Comme ça nous dit l'Agmara. Vetivrele, Nazirut Moetet, l'Agmara se pose une question sur la question de l'Agmara, à savoir pourquoi on s'est posé la question spécialement dans un cas où j'ai pris sur moi dans 20 jours d'être Nazir 30 jours et également j'ai pris sur moi une autre Nazirut de 100 jours. Tu aurais dû me poser la question dans une Nazirut tout à fait simple, à savoir la personne viendrait nous dire Nazirut Moetet. Il viendrait nous dire, tu sais, dans 20 jours je serai Nazir et également maintenant je suis Nazir tout simplement, deux Nazirut, chacune de 30 jours. Est-ce que l'on va dire dans ce cas-là peut-être que finalement la personne serait Nazir 20 jours, après donc il coupe, il fait une Nazirut de 30 jours et après il complète avec 10 jours, et là ça fera 30 et 30, 60. Finalement là il ne coupera pas ses cheveux à la 50e jour. Pourquoi? Parce qu'après 10 jours ce n'est pas suffisant pour couper les cheveux. Il ne les coupera qu'une fois, il apportera deux offrandes. Ou bien peut-être que non finalement, peut-être que je vais dire que ces 20 premiers jours ne sont rien du tout. Et donc après dans 20 jours il sera Nazir pendant 30 jours. Une fois qu'il terminera cette Nazirut-là, il commencera une nouvelle Nazirut de 30 jours. Dans ce cas-là on aurait dû poser la question, on nous demande l'Agmara, nous dit l'Agmara, Vetivrele Nazirut Moetet. L'Agmara nous dit, tu sais, Chagda Migo Chada Kamibéale. Chada, c'est un, Migo, c'est un intérieur. À savoir, c'est une question qui est également dans une autre question, Kamibéale, qu'on se pose. Et nous allons voir donc maintenant comment la Gemara va expliquer ces deux questions-là. On en a une dans l'autre. Nous sommes à la page Yud Dalet, au recto de la page, et on va expliquer Imtim Tselomar. Voici pour la raison pour laquelle on a parlé d'une Nazirut qui est longue en fait. À savoir, dans 20 jours, je serai Nazir, 30 jours entre guillemets, et puis aussi je serai Nazir 100 jours. Pourquoi? Imtim Tselomar, peut-être voudrais-tu me dire, comme quoi Nazirut Moetet, quand si jamais j'avais dit je suis Nazir dans 20 jours, une Nazirut de 30 jours, et je serai aussi également Nazir, une Nazirut normale de 30 jours, alors dans ce cas-là finalement, Nazirut Moetet, Kivan de Asarayomin ou de Yitrin, puisque finalement il ne restera que par la suite 10 jours à compléter, à savoir je suis Nazir 20 jours, ensuite 30 jours, et ensuite je complète encore 10 jours, mais 10 jours finalement c'est rien, c'est ce que l'on dit ici, Asarayomin ou de Yitrin, il ne reste que 10, alors l'os aliklé, Halina Sarah, ils ne servent à rien ces 10 jours-là, et donc forcément une personne dans ces cas-là, quand il dit je suis Nazir dans 20 jours, une Nazirut de 30 jours, et également je prends sur moi une Nazirut de 30 jours, on comprend très bien qu'en fait, pour l'instant il n'est pas du tout Nazir, dans 20 jours il fera les choses bien comme il le faut. Nazirut de 30 jours, on coupe les cheveux, on s'arrête, on apporte les offrandes, on reprend une Nazirut de 30 jours, ça serait tout à fait évident. Par contre, dans un cas où Vadaï, Nazir, Me'ayom, si jamais la personne dit je serai Nazir dans 20 jours, une Nazirut de 30 jours, et également je prends sur moi une Nazirut de 100 jours, cette fois, alors là peut-être dirait-on qui va
Sivan, Deitle, Tamnin, Yomim, Lebesov, puisque finalement, à la fin, il restera 80 jours. Si tu fais 20, 30, après tu complètes avec les 80. 80, c'est suffisant pour se couper les cheveux, salcaler, donc ça sera suffisant pour être considéré comme une Nézirut. Donc, Behemet, oui, peut-être que ça va être bon, holo, ou bien peut-être que non, finalement, je serai Nazir dans 20 jours. Pour combien? Pour 30 jours. Et dans 30 jours, je coupe les cheveux, j'apporte les offrandes et je commence une nouvelle Nézirut de 100 jours. En tout cas, on a vu dans la Gemara jusqu'à présent de nouvelles Mishnayot. Je pense que c'était très intéressant. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, une bonne révision. Chazak u Baruch, Kol Tov.